بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع لخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Nous, par la plume et par ce que les scribes mettent en ligne, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point en possédé. En vérité, une récompense sans reproche t'est réservée et tu es doué d'un caractère élevé. Bientôt tu verras, et les négateurs eux aussi verront, lequel d'entre vous a perdu la raison. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin et ceux qui sont les bien guidés, ceux qui sont les bien dirigés. N'oublie donc point aux négateurs qui aimeraient bien que tu sois accommodant avec eux afin qu'ils le soient aussi avec toi. Et n'obéis point à aucun jureur méprisable, détracteur, médisant, hostile à tout acte charitable, agressif, scélérat, perfide et bâtard de surcroît, qui, se sentant pourvu de richesses et d'enfants, s'écrie quand il entend réciter nos versets. Ce ne sont là que des fables qui remontent aux anciens. Salam alaikum à tous et bienvenue dans les nouveaux locaux de l'UFCM. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue pour parler aujourd'hui de la question palestinienne. Donc, avant de présenter nos invités, je voulais juste un petit peu vous expliquer le contexte dans lequel on a organisé cette soirée. Je ne vais pas garder la parole très longtemps parce que le programme est assez chargé. On a trois intervenants. Et pour leur permettre d'avoir un peu plus la parole, je vais essayer de ne pas trop la monopoliser. Donc, sein de l'UFCM, on a décidé de traiter la question palestinienne. On m'entend, oui, d'accord. Et cette réflexion, donc, elle a été menée depuis un bon moment. Et elle est en train de voir le jour, et notamment à partir d'aujourd'hui, puisque la conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre, je vous parlais, de ce programme qui consiste à mettre en place des journées de formation. Souvent les gens nous disent « oui, cette question nous intéresse », mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on en parle très très mal. Et si on en parle mal, si on la défend mal, c'est parce qu'on ne la connaît pas si bien que ça. Donc aujourd'hui, on va un petit peu, c'est la journée de lancement, et on a décidé d'inviter deux personnes, trois personnes d'ailleurs, je dis souvent pas trop là, mais je voulais dire que cette journée, enfin cette conférence-là s'inscrit dans le cadre du programme 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2018, en France, on va fêter les 70 ans de la création d'Israël. On ne va pas les fêter, d'ailleurs. Mais ceux qui ont décidé de les fêter, notamment, c'est à l'initiative de Mme Audrey Azoulay, qui est ministre de la Culture de l'ancien gouvernement, et qui a décidé de dégager un gros budget pour créer à peu près plus de 100 événements en France et en Israël,
qui vont se dérouler de juin à novembre 2018. Donc vous avez bien compris que ces budgets sont sur nos deniers, hein, ils sont pris sur les sous du contribuable. Donc nous sommes concernés par toutes ces initiatives. Quand on dit mais en quoi ça me concerne, bien ne serait-ce que pour des initiatives de ce genre, ça nous concerne. Parce que ça se fait avec notre argent, et beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est dit, il va falloir un petit peu réagir aussi. On ne va pas fêter, nous, les 70 ans de l'État d'Israël, mais on va commémorer, hein, je pense que c'est le terme, les 70 ans de dépossession du peuple palestinien, dépossession de leur terre, et tout le lot de, je dirais, de massacres, de persécutions qui va avec. Et je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense que nos trois invités ont préparé pas mal de choses à dire. J'ai choisi moi simplement une idée sur laquelle je voulais vous faire partager. C'est une idée qui n'est pas de moi, mais c'est un constat moi que j'avais aussi, que je fais souvent. C'est un constat de Naomi Klein qui est écrivain et qui dit que effectivement la Palestine est devenue un grand laboratoire. Un grand laboratoire pour, en matière de tests militaires. Donc on teste des armes, on teste bien sûr comment les gens réagissent aux armes chimiques, etc. Mais laboratoire pas que militaire, à tous les niveaux, ça touche la torture, ça touche tout ce que l'on fait subir à ce peuple palestinien. Mais elle dit aussi quelque chose qui est très juste, et elle dit ce laboratoire ne concerne pas que les Palestiniens. Ce laboratoire nous concerne, parce qu'en même temps qu'on persécute les Palestiniens, il y a un œil sur nous. Il y a un œil sur nous et on observe et on mesure notre capacité à ne pas réagir face à ce qu'il se passe là-bas. Et ça, c'est important parce que, je veux dire, ça c'est une histoire après de savoir un petit peu comment nous fonctionnons. Et il y a eu un changement quand même ces dernières années. Je trouve, et c'est bien sûr que c'est très grave ce qui se passe là-bas, mais c'est très grave aussi comment nous fonctionnons. Et je pense que cette question palestinienne nous renvoie aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire quand vous parlez maintenant de choses de torture, quand vous dites aux gens qu'on emprisonne des enfants à partir de 12 ans, que l'on dépossède les gens, mais ne serait-ce que... on a des histoires, alors on en aura à raconter jusqu'à toute la nuit et même plus. Hier, je lisais un article sur un Palestinien donc, qui a été condamné parce que l'un de la famille a été soupçonné d'avoir commandité un attentat. Et on demande donc, la sentence c'est quoi? C'est on va vous détruire votre maison. On va vous détruire votre maison, mais si on vous la détruit, vous allez payer l'équivalent, je crois que c'est... À l'époque, c'était plus de 10 000 shekels, je crois, 2 500 euros. Maintenant, ça a dû augmenter. Ou alors, si vous le faites vous-même, eh bien, ce sera gratuit, hein, évidemment. Donc, c'est-à-dire, vous vous retrouvez dans des situations de ce genre à raconter, hein, on les raconte. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne réagit plus. Et je trouve que la situation est beaucoup plus... Elle est autant dramatique ici par rapport à notre réaction que ce qu'il se passe réellement là-bas. Et c'est ce sur quoi, voilà, moi je voulais simplement intervenir sur ce point-là, de se dire, si on pouvait partir ce soir avec une petite remise en question, et de se dire, bon sang, mais avec tout ce qui se passe, avec tous ces gens qui sont engagés, on va le voir ce soir, hein, toutes ces personnes qui sont engagées, qui laissent leur temps, qui laissent leur argent, qui ont laissé leur famille aussi pour aller soutenir les Palestiniens. Voilà, c'est toutes ces questions de se dire pourquoi et pourquoi pas nous et qu'est-ce qu'on fait nous dans cette question, surtout qu'elle nous concerne directement à tous les niveaux. Alors ce soir on va accueillir Jérôme Feinel qui est président du collectif 69. Alors le collectif 69 Palestine a le mérite d'exister bien sûr, mais au niveau national il a une spécificité, c'est que le collectif 69 Palestine réunit toutes les associations qui militent pour les droits des Palestiniens. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en France. C'est-à-dire que les divergences font que les associations qui militent pour les droits des Palestiniens arrivent qu'elles se déchirent, elles se divisent. Sauf que sur Lyon, on a la chance d'avoir ce collectif qui réunit une trentaine d'associations, de syndicats. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que on ne peut pas, on doit être le plus unitaire possible, je pense. Donc Jérôme Feinel viendra nous parler un petit peu des activités du collectif,
et de la campagne BDS, je suppose. Nous avons après deux chirurgiens derrière. Et alors, oui, le troisième intervenant, il dit en plus que je suis chirurgien. On a d'abord bien sûr Christophe Oberlin qui nous a fait quand même immense honneur de venir ce soir de Paris. On sait que son agenda est très très chargé, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il s'agit de Palestine, il a toujours honoré nos invitations. On le remercie infiniment. Et quand je disais troisième de chirurgien, il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle va me raconter. Et là, je parlais tout à l'heure de l'histoire des cœurs. Et c'est vrai que le problème du cœur est essentiel dans toutes les questions, mais notamment dans cette question-là. Allah va un petit peu opérer sur nos cœurs à une autre échelle. Et c'est vrai que l'aspect spirituel est tout aussi important. Et c'est pour ça que je le qualifie aujourd'hui de chirurgien, parce qu'il opère souvent nos cœurs. Et c'est vrai que nous qui avons la chance d'assister ici à ces réunions un peu spirituelles, ces moments spirituels, il a un petit peu cette faculté de nous ouvrir les cœurs. Voilà. Donc il interviendra aussi pour nous parler un petit peu de la Palestine d'un point de vue spirituel. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Jérôme Feinel. Ensuite, on passera la parole à Christophe Oberlin. Alors, on va essayer d'avoir des moments d'intervention pas trop longs. On veut favoriser un petit peu les échanges avec la salle. Donc, du coup, on s'est dit 10 minutes, un quart d'heure chacun. Je vais parler en accéléré. Je passe la parole à Jérôme. Merci. Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. J'ai essayé de répondre à la question Palestine, comment agir, qui était le thème de votre réunion. Et j'ai envie de dire en premier lieu, Elila l'a abordé à l'instant, comment agir, c'est déjà s'instruire l'histoire. Et quand on lit l'histoire de la Palestine, d'abord on comprend tout et tout est déjà inscrit du début. Et je crois que on est en plus un peu particulièrement dans les années qui se terminent par 7, puisqu'on est en 2017, et que ces années qui se terminent en 7 ont été assez terribles pour le peuple palestinien. Alors, on fête, entre guillemets, commémore les 100 ans de la déclaration Balfour, cette déclaration anglaise qui donnait la Palestine pour un foyer national juif. On commémore ces 100 ans de la déclaration Balfour. On commémore aussi les 70 ans du plan de partage de la Palestine par l'ONU. C'était en 1947. Et après 1947, ça a été bien entendu le début de la catastrophe, de la Nakba et de la destruction de plus de 500 villages palestiniens et l'expulsion de plus de 750 000 Palestiniens. Et puis, un peu plus près de nous, les 50 ans, c'est toujours une année en 7, et ça c'était en 1967, c'est l'occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem, de la bande de Gaza, du Golan, et on en paye encore aujourd'hui, les Palestiniens en payent encore un lourd tribut. Et puis si on remonte encore un peu à 120 ans, c'est le congrès de 1897, le congrès sioniste de Bâle. Donc on voit là un continuum permanent de la question palestinienne et du mauvais sort fait aux Palestiniens. Avec un truc un peu particulier, on est le 22 novembre, et il se trouve que le 22 novembre 1967, c'était la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, jour pour jour, puisque c'était un 22 novembre. Alors j'aime bien cette résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que il souligne le côté inadmissible de l'acquisition des territoires, voilà, par la guerre, et la nécessité d'œuvrer pour une
paix juste et durable, permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité. Et cette résolution 242 demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit. 1967, nous y sommes encore. Et ça montre bien là le déni de justice et le côté absolument incroyable qui fait que 70 ans plus tard, les résolutions du Conseil de sécurité, alors il y en a eu un certain nombre, et d'ailleurs les résolutions de l'ONU, il y en a plus de 220 qui sont restées lettres mortes par le fait israélien. Et puis, Christophe est là et il sait aussi que malheureusement, les années en 7, c'est les 10 ans du siège criminel de Gaza. Alors voilà, ces années en 7, elles nous instruisent de cet acharnement et de ce continuum encore vis-à-vis du sort fait aux Palestiniens. Alors s'il faut s'instruire l'histoire, et c'est très important de connaître cette histoire, il nous faut nous instruire aussi de la réalité faite au peuple palestinien aujourd'hui et depuis la Nakba et depuis la déclaration Balfour. Alors aujourd'hui, 65 lois israéliennes sont discriminatoires vis-à-vis des Palestiniens. C'est évidemment la colonisation, vous le savez, plus de 600 000 colons entre la Cisjordanie et Gaza, et là aussi avec une grande constance du point de vue de la politique israélienne. C'est Monsieur Shamir, un ancien terroriste israélien qui fut Premier ministre et qui, dès les années 80, lui disait « Nous allons perdre 10 années dans d'interminables négociations et nous poursuivrons quand même la colonisation. » Là aussi, on voit une grande constance de la politique israélienne et du fait que, vous savez, la petite musique qu'on nous sert encore aujourd'hui en France, qui consistait à dire « négocions, négocions, les Palestiniens et les Israéliens doivent négocier, ils doivent discuter, rien ne doit se faire sans la négociation ». Alors bien entendu, cette négociation est indispensable, mais faudrait-il être deux? Et il n'y a jamais eu de partenaire israélien pour cette négociation. Et du côté israélien, il était tout à fait clair que tout ça devait être une politique du fait accompli. Et M. Shamir, dont je rappelais le propos, le rappelait dès les années 80. Et puis aujourd'hui, dans cette mise en place d'une politique, il y a une politique de discrimination, il y a une véritable politique d'apartheid. Je vous invite à lire cet excellent rapport de Richard Falk et Virginia Tillet, les pratiques israéliennes à l'égard du peuple palestinien, et la question de l'apartheid. La question de l'apartheid est une question extrêmement importante. Pourquoi c'est une question importante? Parce que dans ce rapport, qui a été donné dans le cadre de la CESAO, une commission des Nations Unies, ce rapport documente extrêmement précisément la politique de ségrégation, de domination, de discrimination vis-à-vis des Palestiniens dont se rend coupable Israël. Et ce rapport rappelle que l'apartheid est un crime contre l'humanité et que sa prohibition est une norme impérative. C'est pas si j'ai le temps, c'est impératif pour la communauté internationale. Et que tout État du monde et tout État de la communauté internationale doit le faire cesser. Et c'est une question extrêmement importante parce que je viens de dire d'ailleurs que des organisations, des ONG importantes comme Amnesty International entendaient se pencher sur cette question de l'apartheid israélien. Et cette documentation sur les pratiques israéliennes à l'égard du peuple palestinien est encore une fois importante parce qu'il s'agit bien de crimes contre l'humanité. Alors voilà, il faut en même temps s'instruire l'histoire, en même temps
s'instruire de la manière dont ça se passe aujourd'hui à l'égard du peuple palestinien pour pouvoir mieux agir. Et sur la question de mieux agir, je crois que c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut tordre le cou aux idées reçues et aux mots valises. Alors vous le savez, dans votre entourage, vous entendez souvent que les Juifs et les Arabes, les Palestiniens et les Israéliens n'arriveraient pas à s'entendre, qu'il y aurait des torts partagés, que ce conflit serait compliqué. Ah oui, la grande question de la complexité du conflit et qui nous amènerait tout de suite à dire que nous sommes incompétents et que tout ça est trop compliqué pour pouvoir voir le début d'une résolution. Et puis, bien entendu, la question qu'il ne faudrait pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Donc, en gros, il n'y a rien à voir, circuler, et ne vous en occupez pas. Alors, il faut rappeler en permanence, justement, que c'est un conflit colonial, que ce n'est pas un conflit religieux, et que, bien entendu, ce conflit est réglable, que nous en avons toutes les constantes chaque jour sur la table, et que les résolutions sont connues depuis extrêmement longtemps. Alors, pour participer à la résolution de ce conflit, ben oui, il faut, j'ai envie de dire, importer le conflit israélo-palestinien en France, c'est-à-dire en faire un objet sur lequel nous pouvons agir ici. Alors qu'est-ce que nous essayons de faire et ce à quoi nous essayons de participer? Lila en a parlé tout à l'heure, au sein du collectif 69 Palestine, nous essayons d'avoir le front le plus large possible. Il ne faut pas nous restreindre, il ne faut pas nous réduire à un champ trop réducteur. Nous devons nous adresser à tous, nous devons nous adresser à la société française dans toute sa diversité, dans toute sa complexité là aussi. Nous devons nous adresser aux citoyens. Les citoyens sont d'ailleurs plutôt raisonnables. Les citoyens de France comprennent bien, et depuis longtemps, qu'il faut un règlement de ce conflit et qu'ils comprennent bien le mauvais sort fait aux Palestiniens. En revanche, nous avons un problème avec les relais d'opinion, avec les élites qui regardent souvent ailleurs, qui ne veulent pas trop d'emmerdement, passez-moi l'expression, et qui souhaitent regarder plutôt ailleurs. Pascal Boniface le rappelle souvent, il a beaucoup de gens, des médias ou des relais d'opinion qui lui disent « Oui, tu as absolument raison sur ton constat, mais je ne peux pas le dire ». Et c'est souvent ce qu'on entend dans ces relais d'opinion et chez ces élites. Alors bien sûr, pour l'action ici, nous avons des leviers. Nous avons un levier qui est la campagne BDS, Boycott des investissements sanctions. C'est une campagne qui, à travers le monde, est en train d'essaimer et est en train de remporter de nombreux succès vis-à-vis de cette campagne BDS. C'est une campagne qui porte, c'est une campagne qui fait peur à Israël. Et vous avez vu que Israël n'hésite plus maintenant à interdire l'accès de son territoire à nombre de militants de cette campagne BDS, et même quand ils ne sont pas de cette campagne BDS, quand ils sont simples membres de l'Assemblée nationale, députés français, vous avez vu qu'il y a quelques jours, Israël a interdit son territoire à un certain nombre de députés qui voulaient rencontrer en même temps Marwan Barghouti et en même temps Salah Hamouri, qui est notre compatriote franco-palestinien. Alors, cette campagne BDS, il faut la soutenir, il faut la relayer, il faut l'amplifier, et c'est une des garanties qui font que nous pourrons durablement nous porter aux côtés du peuple palestinien. Et c'est une campagne qui fait très peur à Israël, et Israël a développé toute une campagne en contre pour sanctionner cette campagne, mais cette campagne elle suit son cours. Elle est extrêmement diverse. Il y a encore quelques semaines, c'était un syndicat indien qui adhérait à cette campagne. Ce sont des étudiants chiliens, ce sont des étudiants américains, ce sont des artistes qui refusent maintenant d'aller en Israël chanter sous
parce qu'ils ne veulent pas cautionner cet apartheid israélien. C'est une multiplicité d'initiatives à travers le monde que je vous invite fortement à relayer. Et pour terminer, Lila en a parlé, l'année 2018 va être un peu particulière aussi, puisque on nous annonce une saison France-Israël. Nous espérons cette saison la plus pluvieuse possible. En tout cas, nous allons nous y employer. Mais avant de nous employer à être en contre cette saison France-Israël, nous serons pour quelque chose. Et les premiers mois de l'année 2018, nous allons les consacrer à décréter, nous, citoyens, que c'est l'année de la Palestine. Nous voulons faire de 2018, qui va commémorer la création de l'État ou la reconnaissance de l'État d'Israël, nous allons, nous, citoyens, commémorer l'année de la Palestine. C'est le temps de la Palestine pour nous, et il est temps pour la Palestine que encore une fois, ce peuple recouvre ses droits. Alors, dans la deuxième partie de l'année 2018, effectivement, nous allons avoir droit à un certain nombre de manifestations culturelles. Pour le moment, nous en savons peu. Nous savons simplement qu'il va y avoir effectivement plus de 180 manifestations culturelles à travers la France. Donc il faudra qu'on soit à ce rendez-vous parce qu'on nous parle d'événements de grande ampleur. Une saison France-Israël qui sera autant de moments clés de diffusion culturelle auprès du grand public. Eh bien, nous y serons. Les citoyens, les artistes, les amoureux des droits humains seront là pour rappeler les réalités vécues par les Palestiniens et l'espoir d'un avenir meilleur débarrassé d'occupation et pour ouvrir une nouvelle ère de justice et de droit. Donc rendez-vous non seulement en 2007, mais aussi en 2018. Merci à vous. Merci. Christophe. Jérôme. Christophe Paris. Merci Jérôme. Donc gardez bien vos questions pour la fin. On invite maintenant Christophe donc à nous rejoindre. Donc Christophe, qu'on ne présente plus, hein, Christophe est chirurgien. Il intervient depuis plusieurs années à Gaza, où il, bien sûr, il opère, mais pendant plusieurs années aussi, Christophe forme aussi les chirurgiens sur place. Il faut, je pense, et là c'est ma touche personnelle, j'ai le micro, donc je peux dire un petit mot. Il faut aller à Gaza, rencontrer les résistants pour se rendre compte qui est Christophe. Moi, une fois quand je suis allée à Gaza, j'avais utilisé donc les tunnels pour y arriver, et j'ai été très très bien accueillie, évidemment, parce que j'étais l'ami de Christophe. Donc si un jour vous allez à Gaza, rencontrez les autorités, dites-leur que vous êtes l'ami de Christophe, et vous verrez comment vous allez être accueillie. Et pour la petite anecdote, on sait les liens que Christophe a avec les membres, ex-membres du gouvernement de Gaza, hein, très très proches. J'ai rencontré l'un d'eux et qui m'a dit, pour ne pas citer Mohamed Al-Antissi, hein, qui est le frère du bras droit de Cheikh Ahmed Yassine, Allah yarhamhum, et qui m'a confié un jour, il m'a dit, Christophe, il faut le traiter comme un frère et dis-le le maximum. Donc voilà, c'était un dépôt qu'il m'a laissé. Et je vous le dis, il m'a dit, quand tu rentreras en France, le plus possible, dis que Christophe doit être traité comme un frère. Et il m'a dit, dis-leur que quand je suis allée en pèlerinage à la Mecque, la première raka, donc c'est la première prosternation que j'ai faite, j'ai demandé à Allah quelque chose, je ne sais pas, pour Christophe. Voilà pour la petite anecdote. Il m'a dit de le dire à chaque fois que je pourrais le dire. Donc voilà, c'est dit et je te laisse la parole, Christophe.